travailler aujourd'hui sur la mémoire, le cerveau. Je vous ai récupéré quelques fruits, quelques bricoles pour l'entretien du cerveau, pour garder une bonne mémoire. Donc, alors, on va commencer par le maïs. J'ai fait un petit tour, j'ai récupéré ce que je pouvais pour vous. Donc, le maïs, c'est comme le, comment dirais-je encore, toutes les légumineuses, hein? Donc, vous avez toutes les vitamines B9, quoi encore, B1, les protéines végétales, etc. pour la santé du cerveau. Donc, je vais vous montrer un peu, moi, pourquoi même plicher. Un petit maïs que j'ai retrouvé dans le jardin du voisin. Vous comprenez? Donc, m'en récupérer pour vous montrer. Alors, on a le maïs. Donc, voilà. Le maïs, légumineuse, vitamine B9, B1, protéines. Mais vous avez aussi les cheveux. Là, il n'y a pas beaucoup de cheveux, mais vous avez les cheveux. Tu vois? Diurétique. Quand on a besoin de se nettoyer, on utilise les cheveux de maïs. De toutes les façons, il y a beaucoup de gens qui savent, hein? Cheveux de maïs. Et c'est ça que je prenais quand j'étais petite pour me servir de poupée. Je n'avais pas de poupée. Et c'était le maïs avec ses longs cheveux. Vous avez vu? Donc, c'était ma poupée que j'appelais Bibine. Ma poupée Bibine. Voilà. Donc, quand vous trouvez du maïs, mangez un peu de maïs. Récupérez comment dire, les cheveux pour vous nettoyer. Alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé encore? Alors, si vous voulez quand même avoir une bonne mémoire, et vous ne dormez pas du tout, vous passez la nuit à travailler, etc. Vous n'avez pas le temps de dormir. Il faut savoir que le cerveau se fatigue. Là, on a besoin de. J'ai récupéré pour vous deux feuilles de. Comment dirais-je encore? D'amandier pour faciliter le sommeil. Parce que si vous ne dormez pas, ce n'est même pas la peine. Donc, il faut trouver le moyen de dormir un peu la nuit. Il y a des gens qui passent la nuit à ne pas dormir. La journée, ils courent à droite et à gauche. Et ils vous disent, moi, pas ni tant dormi. Il faut trouver le moyen si vraiment on veut garder une bonne mémoire. Bon. Et qu'est-ce que je vous ai récupéré d'autre? Mes feuilles de goyavier, c'est aussi bon pour la mémoire. Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait, mon Rachel, là, la ni feuille goyave. Aille manger des bourgeons goyaves. Je vous ai ramené les feuilles de goyavier. Quoi donc pour la circulation du sang? Les feuilles de raisin bord de mer. Fraîches ou jaunes, vertes ou jaunes, séparées. Encore meilleur quand les feuilles sont déjà tombées. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon, alors, le gingembre, on n'a pas besoin de vous parler du gingembre. Tout le monde sait que le gingembre est aussi bon pour la mémoire. Mon copain cacao. Alors, dans le cacao, il faut savoir qu'on mange tout ce qui est dans le fruit. Dans la cabosse là, tout est bon. Et vous pouvez boire de l'eau. Ça vous sert aussi de timbale pour boire de l'eau, toujours pour la mémoire, parce que c'était une recette, hein, ancestrale. Il disait, bon, ben, comment faire pour boire de l'eau pour garder la mémoire. Donc, on connaît toutes les vertus du cacao, on n'a pas besoin de vous expliquer tout cela. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, ma copine, oui, le curcuma. J'ai mis un petit mot sur le curcuma. On connaît aussi les vertus du curcuma régulièrement.
prendre un petit verre de jus de curcuma, ça ne fait pas de mal. Curcuma. Alors, quand on a parlé de, comment dire, des feuilles d'amandier, les amandes, ça coûte cher, mais pourquoi ne pas récupérer quelques amandes? Sous les amandiers, les manger, apprendre à nos enfants à manger les amandes. Ils ont encore meilleur, ils n'ont pas passé d'un produit chimique. Là, ce matin, j'ai mangé 4. J'en ai mangé 4. Vous avez vu? Donc, ça nous fait du bien. Alors, on commence par quoi? Bon. Mon romarin. Vous avez vu, j'ai mon petit pot de romarin. Toute fraîche. Et alors, le romarin, qu'est-ce que je vous raconter sur le romarin? Alors, le romarin, ce qu'on appelle herbe miraculeuse pour la mémoire. Comme je rajeunis, je parle beaucoup sur la mémoire, mais il ne faudra pas attendre qu'on prenne mon âge pour entretenir la mémoire. Donc, alors, avec le romarin, je lis pour vous ce que j'ai, parce que je fais beaucoup de recherches. Le romarin améliore jusqu'à 75% de nos fonctions cognitives. Jusqu'à 75%. D'accord? De nos fonctions cognitives. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que je retrouve dans des dossiers. Alors, romarin, je t'avais posé en quelque part. C'est un décontractant musculaire. Romarin. Donc, maman n'est pas quitté romarin là, qu'à sec ou encore, je connais des gens comme ma copine qui a du romarin chez elle, elle n'en s'en occupe pas parce que de temps en temps, il y a un petit coup de coude là, il ne peut pas monter trop haut. Eh bien, là, j'ai mon petit pot de romarin. Vous connaissez le prix d'un petit bout de romarin? Prends et plante et puis demain matin, ou qui s'est vide. Bon. Oui, bon. Comment dirais-je encore, curcumine, tout le monde sait. Ma copine Poupier. Ma copine Poupier. Bon. Tout le monde connaît le Poupier. En créole, on dit Coupier. Vous avez vu? Coupier, Coupier. Alors, le Poupier, c'est l'oméga 3 végétal. Poupier, vous avez vu mon petit coup de Poupier? J'en mange tous les jours. Avec le Poupier, on fait au bain-marie. On met sur les légumes, mais je n'aime pas trop mettre sur les légumes, puisque bon, ben, il faut mettre de l'eau, après il faut jeter l'eau. Jus de Poupier pour la mémoire, jus de Poupier. Salade de Poupier, mais toujours au bain-marie. Pas cuite, ça, et puis jeter, mettant l'eau de l'eau. C'est même pas la peine de l'utiliser. Ça ne vous servira à rien. Et j'avais, oui, oui, alors pour le Poupier aussi, on peut écraser et passer sur la peau. Pour les boutons, les taches sur la peau, on peut passer du Poupier. Donc le Poupier sert à beaucoup de choses. Alors le Poupier, c'est la vitamine E. C'est un cicatrisant, un adoucissant. C'est pourquoi je dis qu'on peut passer sous la peau, parce que moi, quand j'ai des petites taches, donc j'écrase et je passe sous ma peau. C'est un anti-inflammatoire. Alors, Poupier, qu'est-ce que je raconte de toi encore? Oui, alors le Poupier, c'est aussi pour maladie cardiovasculaire, pour réguler la tension artérielle. Poupier. Vous avez vu Poupier? Ne laissez pas. Quand vous avez un petit jardin, plantez quelques branches de Poupier. C'est une richesse pour nous, pas qu'à chaque fois aller à la pharmacie ou obligé aller chercher, ramasser du Poupier n'importe où. Plantez votre Poupier. Aussi bon aussi pour le diabète de type 2. Donc, je pense que je vous ai donné assez pour aujourd'hui. Donc, alors, pour les gens qui me demandent les ateliers, ce mois-ci, disons que je ne fais pas d'atelier ce mois-ci. La petite équipe que j'avais, bon ben, je la garde quand même.
parce qu'on s'entend très bien, et puis on fait des ateliers d'échange. Il y a des gens qui disent, moi, pas qu'on est taillé. Non, non, chaque personne a une petite recette, même un petit mot. Donc, on fait des ateliers d'échange, voilà. Donc, ce mois-ci, on fait que pas poupier, excusez-moi. Ce mois-ci, on fait cerveau, mémoire. Parce que une fois que la mémoire a décidé de partir, elle ne se sent pas bien entretenue. Il capatit, mais doucement. Mais la mémoire, une fois qu'elle commence à partir, elle ne retourne pas. Elle ne retourne pas en arrière. Donc, mes amis, occupons-nous de notre cerveau, de la circulation du sang, du nettoyage du sang. Et voilà si on veut avoir une bonne mémoire. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, j'ai pensé à vous. J'ai dit, je fais le petit plateau. Mémoire, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Eh bien, là, mes petites feuilles de goyavier que j'aime bien, que j'en prends régulièrement. Donc, voilà, de temps en temps, pensez, parce que bon, mais une fois que vous n'avez plus la tête, ce n'est même pas la peine. Même si on a des jambes, on a des yeux, on a toute qualité, mais la tête est partie, ce n'est plus la peine. La famille même n'arrive plus à vous supporter. Parce que bon ben, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. D'accord? Je vous remercie. Et puis prochaine. Alors n'oubliez pas de manger beaucoup de cacao. Moi, j'en prends tous les jours. Parce que j'ai besoin d'avoir, de garder la mémoire. Et je dirais que j'ai choisi encore toujours la mémoire par rapport à mon fils, où les médecins disaient qu'il n'allait ni marcher ni parler, mais je sais que ce que je lui donne, il a son petit déjeuner et régulièrement, je suis le petit déjeuner, savoir qu'est-ce qu'il doit prendre chaque matin, etc. Toujours des produits naturels parmi les choses que je vous donne là. Donc, il n'y a pas de produits chimiques. On a assez de choses dans notre pays, dans nos jardins, qu'on puisse être bien, avoir une bonne santé. Merci. Thank you.